Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Verseau pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. Alors donc, on va tout de suite passer au tarot. Alors, le 8 de coupe indique en fait un besoin de se ressourcer, un besoin un peu de quitter sa situation actuelle. Je pense que vous avez le besoin de couper un peu avec tout ce qui vous est arrivé ces derniers mois parce que cette période assez compliquée, assez difficile. Vous allez enfin peut-être profiter d'un moment de répit. Voilà. Alors par contre, vous avez envie de profiter de ce moment de répit, mais attention, le diable est une indication de le faire sans excès. Donc attention aux excès alimentaires notamment. C'est une période, donc la période d'été se prête quand même pas mal aux excès, donc profitez entre guillemets et ressourcez-vous, mais sans excès. Ça, c'est la première chose et cette première indication, c'est la période du 15 au 25 juillet. Alors, la deuxième période du 25 juillet au 5 août, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, la justice vous rattrape, ou c'est plutôt une protection pour vous et votre famille vis-à-vis de la justice. Donc, ça peut être éventuellement quelque chose sur lequel vous aviez misé ces derniers temps, qui risquait de se retourner contre vous, et qui au final, donc, un contrat ou une somme d'argent, quelque chose qui devait tomber, qui ne tombait pas, et qui finalement, donc, s'améliore. Donc voilà, donc vous voyez, il y a un équilibre et des choses heureuses qui viennent d'un contrat ou qui sont en rapport à une administration. Donc, vous aurez des répercussions heureuses d'un contrat ou d'une administration, voilà, et ça vous rendra donc heureux et ça protégera éventuellement votre famille. Donc ça, c'est sur la période du 25 juillet au 5 août. Sur la période du 5 au 15 août, vous serez donc en pape. Donc, le jugement indique une nouvelle qui vous permettra d'avoir une attitude plus positive et bienveillante et qui vous permettra de refaire des projets. Voilà, donc en fait, on voit que une nouvelle pourrait éventuellement vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Alors, évidemment, tout ça, comme ça a l'air assez général. Je ne suis pas dans votre situation, donc c'est compliqué en fait de l'adapter, mais ça peut vous donner une indication, et je suis persuadée que pour certains d'entre vous, ça vous parlera. Voilà, donc ça, amis Verseau, on en est là. Maintenant, ce qui concerne donc quand même l'affectif, le financier professionnel sur cette période. Alors, l'affectif, le financier et le professionnel sur cette période. Et donc là, on est sur l'atout. Alors, l'affectif, c'est le besoin de lâcher prise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et on l'a vu. Vraiment, c'est cette notion forte de couper de situations qui vous ont quand même pourri la vie les derniers temps. Donc, vous avez besoin vraiment de prendre le large. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau finance, au final, ça se passe mieux que ce que vous espériez ou ce que vous attendiez. De meilleures finances ou en tout cas de moins mauvaises finances que ce qui était quelque part prévu au départ. Au niveau on va dire du professionnel, mais sur le jugement. Donc le jugement indique encore une fois une nouvelle dans le domaine professionnel. Donc vous pourriez avoir de bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Donc c'est plutôt là que donc ça se met en place. Donc bonne nouvelle dans le domaine professionnel. Et l'empereur, donc encore une fois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous pourrez enfin stabiliser votre situation après des mois compliqués. Là, vous allez enfin venir vers une période plus calme, plus agréable à tous les niveaux. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à laisser vos commentaires, liker, abonnez-vous. Je vous souhaite donc un excellent mois, 15 juillet, 15 août, et à très très bientôt.